Bonjour le Marie. Salut Alex. Bon, ces vacances? C'était bien, et les tiennes? Ben, hey, maillot, t'as vu? La grande classe. Eh ben, ça s'est bien passé. Bon, parents en embrayage, boîte de vitesse. C'est sur une GPX4 pour les connaisseurs, c'est une voiture qui est assez ancienne. Et là, le gars a un petit problème, on a dit, tiens, on va faire un petit tuto pour tout le monde, comment ça fonctionne. Donc là, on a une voiture avec boîte de vitesse. Donc ça, c'est la première, elle a une petite roue libre. Donc dans un sens, elle mord, dans l'autre sens, elle se met en roue libre. Ok, ça c'est la première. La deuxième, elle a un embrayage réglable centrifuge. Avec deux mains slot, tu as des petits ressorts de chaque côté, là, tac, là. Et donc, tu peux tendre tes ressorts, les mettre en contrainte pour qu'elle passe plus ou moins tard, d'accord? Donc, tu as toute une surface de contact pour qu'elle embraye. La mains slot. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle a aussi un embrayage réglable. Oh! Alors, l'embrayage réglable est composé de le support de butée à billes. C'est une butée à billes conique parce que ça va venir en frottement, en pression là-dessus, d'accord? Donc, tu as un roulement butée-bille, hop là, comme ceci. Ta cloche conique, parce que ça va être un embrayage conique. C'est vrai que c'est très particulier. D'accord, hein. Hop là. L'embrayage, donc il est réglable. Donc, tu as l'écrou de contrainte qu'on peut régler pour le mettre, pour que ton embrayage déclenche tard ou tôt. Hop là. Ton petit ressort. Nous avons retiré notre ressort qui est très dur. Qu'en penses-tu? Oui, t'as essayé, extrêmement dur. Ouais. Tu vois, on appuie, regarde, guette. Ça paraît pas, mais... J'appuie tout mon poids presque. Il est vraiment très dur. Donc la contrainte. Oh, regarde, si c'est pas dur, mon pouce est marqué. Ok, Brian, on est reparti. Donc là, après, tu as une masselotte donc conique. Si j'arrive à la voir, on va la voir tout droite. Qui va glisser. Hein, c'est son boulot. Elle glisse comme ceci. Elle a un petit plateau métallique qui vient la pousser bien droite. D'accord. Ok, donc le plateau, lui, vient pousser. Et lui, qui c'est qui pousse le plateau? Tu as trois petites masselottes. Une matière un peu téflon, très glissante, qui vont glisser sur le cône du volant moteur. Le volant moteur est conique. Et donc, la masselotte, elle vient glisser et pousser le plateau droit. D'accord? D'accord. Ok. Donc, grâce à ça, tu peux régler ton embrayage. Tu as une prise plus forte. Là, il y a moins de ripage, d'embrayage cloche. Et tu peux aussi, à part si tu l'as réglé un peu tard, en fait, si c'est bien sec, tu vas mettre un embrayage plutôt dur. Donc, il va déclencher tard. Tu vas durcir ton ressort. Si c'est mouillé, tu vas mettre plus doux pour qu'il accroche plus facilement. Après, tu peux faire ça avec ta télécommande en chatouillant la gâchette correctement. Mais c'est un avantage de cette voiture-là. Déjà, moins d'usure d'embrayage. Et puis, c'est sympa d'avoir un embrayage réglable. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Je te dis à bientôt. Fini les vacances. Throw your hands up if you with it. Drop it.